l'Europe lui rappelle les règles du jeu, eh bien ces règles du jeu, c'est la France qui a été à son origine. C'est quand même un peu triste, un peu affligeant et pour reprendre le mot de Bernard-Henri Lévy, humiliant d'avoir à le rappeler. Et pourtant, c'est bien de cela dont il s'agit. C'est bien de cela dont il s'agit parce que les projets qui succèdent aux projets sont tous de la déconstruction de la nation française. C'est l'illustration de l'État qui se retourne contre la nation, de l'État qui se retourne contre ses citoyens, en ciblant certaines populations, les plus fragiles bien sûr, et avec, je dirais, d'autant plus de cynisme, que la crise est lourde, elle est difficile, que nous vivons dans un état de stress permanent, et Bernard-Henri Lévy rappelait le mot de guerre qui est constamment employé. Nous vivons dans un état de stress permanent bien supérieur à la crise économique et sociale que nous vivons parce que précisément, nous avons le sentiment en permanence de devoir être en guerre les uns contre les autres. Et ça, ce n'est pas la nation française. Alors oui, effectivement, nous avons à défendre notre nation. Ce qui fait que nous sommes français, que nous sommes aussi européens. Et que lorsque Mme Reding, avec une maladresse grossière, car elle n'avait pas à tenir les propos qu'elle a tenus, et elle s'en est du reste excusée. Mais sur le fond, lorsque ulcéré qu'un état de la qualité de la France lui est menti, parce que finalement c'est ça le fond du problème, a rappelé quelles étaient les règles du jeu, eh bien, je le disais il y a un instant, ces règles du jeu, ce sont au départ les nôtres. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est ce qui est à la base de la Convention européenne des droits de l'homme. Et je rappellerai simplement qu'avec le traité de Lisbonne, la Convention européenne des droits de l'homme, elle est rentrée dans le droit communautaire. Alors oui, nous sommes hors des clous. Nous sommes hors des clous avec les Roms. Nous sommes hors des clous aussi pour cette affaire de déchéance de la nationalité française, qui est quelque chose de totalement aberrant dans un pays qui fait du droit du sol le fondement même de la nation française. Alors oui, nous nous retrouvons ici ce soir, venus d'horizons différents, d'histoires différentes, de sensibilités politiques différentes, mais avec quelque chose de tout à fait semblable dans le cœur. C'est précisément le sentiment d'appartenir à une nation dont nous avons envie d'être fiers, et à tous ceux qui l'agressent, nous disons clairement, ne touche pas à ma nation. Merci beaucoup, Karine Lepage. Merci.